Sang, sauver des vies. Ce slogan, la police nationale s'en est approprié. À travers sa direction générale, unanimement, le personnel a décidé de faire un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Un geste apprécié par la représentante du dit centre. Présentement, nous sommes à pénurie de sang. Nous comptons que ces sangs vont aller à l'endroit des femmes qui sont à la maternité, les enfants qui souffrent du paludisme et qui sont anémiés, les drépanocytaires, les gens qui souffrent de l'insuffisance rénale et les accidentés. Le directeur général de la police nationale explique les motivations de son institution. Nous, les agents de sécurité, avons besoin de sang, mais toute la population. Et là, nous avons décidé de lancer une opération dans tous les corps de la police nationale pour que le sang soit collecté au profit de nos populations. Nous allons essayer de demander à tous les policiers, où qu'ils soient, d'organiser de telles opérations à travers les délégués de province pour que les hôpitaux soient ravitaillés. La police nationale assure la sécurité des personnes, de leurs biens et des institutions. Aller au-delà de ce rôle régalien en donnant le sang pour sauver des vies est un exemple à suivre.